Bonjour à tous. Je suis Cécile Le Burton et j'aurai très bientôt le grand plaisir d'animer pour vous un webinaire dans le cadre d'ICF Synergie. J'ai choisi pour thème booster son leadership pour et par le corps. Ceci pour deux raisons. La première, c'est que en tant qu'executive coach, je rencontre en entreprise de nombreux cerveaux brillants, impressionnants, agiles. Et hélas, trop souvent, ils sont portés par des corps laissés en friche. Et ça me pose question. Et la seconde raison, c'est que je suis aussi actrice et que, comme vous le savez pour les acteurs, le corps, ce n'est pas seulement cette chose qui se trouve là en dessous de la tête et qui la porte, mais c'est aussi le plus beau des instruments que nous devons garder agile, expressif, inspirant, en bonne forme. Pour un acteur, c'est non négociable. Alors qu'en est-il d'un leader aujourd'hui? Eh bien, ces questions, j'ai l'ambition depuis des années de me les poser et de les poser à mes clients. Et je tente de réconcilier le cerveau agile avec les corps qui le sont tout autant. Si cette thématique vous intéresse autant que moi, eh bien, je me ferai un plaisir de partager en quoi ma posture d'actrice aujourd'hui nourrit ma posture de coach. Et puis, je m'interroge aussi, vous, dans votre posture, dans vos accompagnements et pour vous-même, qu'en est-il de votre investissement par rapport à ce sujet? Alors, je m'adresse à vous d'ailleurs, qui m'écoutez, qui me regardez à l'instant, vous, mes collègues, mais éventuellement aussi vous, nos clients. Comment vous sentez-vous là, maintenant, dans votre corps de leader? Attendez, ne partez pas! On sait que c'est un sujet qui, dans certaines cultures d'entreprise, est encore tabou. Alors, si c'est tabou, explorons-le. J'ai encore trois questions qui vont apparaître là, à l'écran, tout de suite. Si vous prenez 2 minutes pour y répondre, eh bien, ça nous permettra de faire connaissance. Alors, je vous dis à très vite.